Bonsoir tout le monde et re-bienvenue sur Feed and Grow Fish. J'étais en train de jouer hors caméra et là comme par hasard, alors je sais pas vous, mais moi bien souvent quand je démarre une vidéo je fais une partie de merde. Et là quand je joue hors caméra je fais tout le temps péter les meilleurs scores, c'est un truc de fou. J'étais en train de faire une petite partie hors cam et je commence à monter niveau 10, 11, 12, 13, 14 jusqu'à arriver niveau 16, je fais allez vas-y je lance la caméra, je fais une vidéo. Faut absolument que je leur montre ça parce qu'ils me croiront jamais. Là je vais vous dire que j'étais en train de croquer des sacrés poissons. Je pensais pas pouvoir les gober. Mais je peux vous dire que mon petit piranha niveau 16, il envoie du lourd. En tout cas les gens, oubliez pas toujours que vous avez le petit lien G2A pour acheter vos jeux moins chers, mais ça vous le savez. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si celle-ci vous a plu. Ouh, regardez, il y a des petits homards là. Hein? Allez, on va se croquer ça. Franchement, là, les homards, au point où j'en suis, c'est des amuse-gueules. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais finir ma partie avec le piranha, tranquille, parce que je l'ai jamais monté aussi haut. Et après, on achètera un nouveau poisson. Regardez, hop, ça se croque, voilà. Putain, je suis en train de croquer tout le monde. Je vais vous montrer qu'on peut vraiment croquer des très gros poissons. Alors, pas l'espèce de gros silure, là, non plus, non, pas ça. Regardez, ça, par exemple, là, un bon millet comme ça, ça se croque tout seul. Ouh, putain. Ouh, la vache. Ouh, ça nourrit bien. Ça nourrit bien. Regardez ça. Putain, ils viennent tous choper ma bouffe, ces crevards là. Hop, 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 c'est à moi. Faudrait vraiment qu'on tombe sur un gros. Bah alors lui par contre, lui t'es mal tombé mon vieux. T'es très mal tombé. Voilà. Regardez, ah lui par contre, ça par contre je le croque pas. Hein. Non, non, j'ai jamais testé de le croquer. Et je vais pas m'y attaquer. Non, non, pas ceux-là. Par contre, il y en a des assez gros là. Et ceux-là je les croque. Vas-y, on va passer par là dans la cascade là. Ouh là là. Ce raccourci. Où est-ce qu'il y en a des bien gros, bien gras là? Ça se trouve, je les ai tous bouffés déjà, mon vieux. Il n'y a plus personne. Oh, lui, par contre, lui, il veut me bouffer. Lui, il veut me bouffer. Je me casse de là. Oh, mais quel saut que je suis. J'ai même pas pensé à mettre la petite ambiance océan Atlantique. Tiens, regardez. Ceux-là, là. Ceux-là, je les croque maintenant. Regardez comment qu'on va le croquer. Ah, c'est la bataille, hein. C'est tout le temps un petit peu la bataille entre nous deux, mais en général. Ouais, yes, en général, j'arrive à les croquer, ça va. Comment que je me mets bien là? Après, on croque ça en petits morceaux. On nourrit les petits, bien entendu. Voilà, tout le monde a bien mangé. Ok, c'est cool. Oh, lui, regardez, il est quand même assez gras. Hein. Bon, maintenant, c'est du petit amuse-gueule. Même les gros brochets comme ça, je veux dire, ça me fait même plus peur, quoi. Regardez. C'est tellement une formalité. Hop là, attends, c'est une formalité, mais je mange quand même un petit peu. Hein. Et si je m'attaquais vraiment au gros? Mais le gros, vous voyez? Lui déjà, regardez ça là. Putain, il s'attaque à mon pote là. Toi, mon vieux, t'es mal tombé. Viens ici. Voilà, viens là, toi. Vas-y, mangez, les gars, mangez. Il est où le gros silure là? J'ai bien envie de tester de l'attaquer pour voir. Après, on teste un nouveau poisson. Faudrait vraiment qu'on soit plusieurs sur lui. Ha ha! T'es fait comme un rat, mon vieux. Vas-y, les potes là, les potes. Putain, je suis tout seul. Qu'est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je suis là? Je l'aurai pas tout seul. Les potes là, vous faites quoi? Vas-y, putain, contre-courant c'est. Je l'aurai pas. Je vais l'avoir! Oh! Oh, je l'ai eu! Non? Oh putain, je l'ai eu! Oh la vache! Oh le délire! Oh ce que j'ai bouffé, mon vieux! Et là, je me régale. Non! Oh non. Oh non, putain. Et là, vas-y, tout le monde est en train de se régaler sans moi, bien entendu. Oh, les salauds. Eh, c'est moi qui l'a eu, les gars, là. C'est moi qui l'a eu, là. Oh, comment que j'ai bouffé le gros silure, mon vieux. Il a rien compris. What? Oh non, pas ça. Ça, c'est la merde, voyez-vous. Sans perdre plus de temps, on va tout de suite tester celui-là. Allez, vas-y, c'est parti. J'espère que ça va croquer un petit peu. Oh, je pense, hein. Oh là là. Oh oui. Oh, que oui. Oh bah celui-là mon vieux, pff, laisse tomber. Ah puis j'ai l'impression qu'il se déplace beaucoup plus rapidement. Eh hey, maintenant je peux bouffer les piranhas. Ah ouais, non. Ça va être excellent quoi. Dégage. Putain, je me fais attaquer par un piranha. C'est mon ancienne famille. Dégage. Oh il m'a eu. GG. Allez vas-y, j'y retourne. Mais cette fois-ci, on se la fait calmement, tranquillement, sans pression. Regardez, comme lui là, lui il a l'air tout petit. Allez viens là mon petit. On va se la jouer tranquillement. Il attaque hein. Voilà. Et ça il va par 19 l'expérience. C'est plutôt pas mal, c'est correct. Il m'attaque hein, il veut pas me lâcher. Il m'a pas lâché. Regardez ça, comment qu'il se déplace tel un saumon avec un œil vif mon vieux. On va manger quelques fruits pour l'apéro tranquillement, histoire de bien monter. Je sais pas s'ils se mangent ces petits poissons là. Je crois que c'est de la déco là, non? Ah si, ça se mange. Et puis c'est plutôt pas mauvais en plus. Allez vas-y, on passe dans la cascade. Oh là là, tel un saumon qui se faufile entre les rochers. Miam miam, je prends tout ça. Encore un petit homard. Oh, oh le bâtard. Je me casse.
Oh, il m'a bien croqué. Il m'a super bien croqué. Oh, attends, je peux le croquer, lui, là. Il est à moitié rincé. Il est même bien rincé, bien comme il faut, là. Ah, c'est con, parce que pour croquer les morceaux à chaque fois pour les manger, là... Regardez, lui, là. Regardez comment il se régale, là. Vas-y, on va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. On le croque, on le croque, on le croque, on le croque. Est-ce que je vais le croquer? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Oh, il m'a eu. Il m'a eu. Yes, GG. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec lui? Qu'est-ce que je fais? Je le croque ou... Comment ça se passe? Non, non, il est trop gros, il est trop gros, il est trop gros, il va me croquer. Lui, par contre, le petit, là. Voilà, lui, je peux me permettre de le croquer. Hein? Il pince quand même, hein? Il pince, hein? Je sais pas si vous vous êtes déjà fait pincer en vrai par un crabe ou un homard, mon vieux, mais... Attention, ça te lâche pas, ces bestioles, hein? Je me le tente, je me le tente, je me le tente. Non, 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 non. Non, il va me niquer, il va me niquer. Lâche-moi! Putain. Oh la vache. Mince. Ah oh, non, c'est la merde s'il me bouffe, quoi. Je vais me refaire un peu par ici, là. Regardez-le, lui, là. Le petit, là. Voilà, ça je mange, ça. Des petits comme ça, là. C'est pas mauvais. Mais vas-y, toi. Il m'a bouffé. Il m'a bouffé. Eh, vous savez quoi? Allez, vas-y. Vas-y, maintenant, viens. Viens maintenant, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on passe un cran au-dessus, là. Là, tout de suite, ça va commencer à causer. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Du calme, du calme, du calme. Voilà, prends ça. Putain, même niveau 1, mon vieux, je l'arrache avec celui-là. Ouh, puis lui, il a l'air d'avoir faim, hein. Il mange, hein, il s'occupe pas, hein. Ouh, putain, lui, par contre, je pourrais pas m'y attaquer. Lui, je pourrais pas m'y attaquer. Regardez ça, comment qu'il cherche à me gober. Il cherche à me gober, hein. Je me casse, hein. Ouais, ouais, lui, j'en ferai rien. Pour le moment. Ok, je crois qu'il ne nous laisse plus le choix. On va être obligé. Nous allons sortir le Terminator. Allez, vas-y. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le coin? Ouh. Alors, mes petits. Puis celui-là, mon vieux, il... Hein? Il croque bien, hein. Il a l'air de bien croquer, hein. Regardez, attends, je peux le gober d'un coup, ça? Des petits piranhas comme ça. Bah oui, en 2-3 bouchées, c'est fini. Voilà. Oh là là, comment qu'il mange bien. Puis il nage vite, hein. Lui aussi, au final, c'est un petit pour moi. Il est tout petit maintenant. Voilà, viens ici, toi. Voilà, oh là là. C'est tellement bon de pouvoir tout bouffer comme ça, là. Voilà, attends. Ça, c'est encore un petit peu gros. Putain, l'autre, par contre, mon collègue, il bouffe tout, hein. Hein? T'as faim, toi, hein? Regardez ça, regardez ça. Hop là, dégage de là. Dégage de là, c'est mes poissons. Tu dégages, voilà. Lui, je vais le bouffer. Tiens, voilà, dégage-toi. Oh, comment que je le croque, mon vieux. Mais je le croque tellement vite, en fait. Ah, ça remplacera pas mon petit piranha pour le moment. Parce qu'avec le piranha, quand même, j'ai réussi à en bouffer un gros comme ça, hein. Ne l'oublions pas. Regardez, lui, regardez, il a peur, hein. Lui, il flippe, là, il flippe, le petit piranha, là, hein. Allez, viens ici, viens là, va. Voilà, laisse-toi faire. Miam, miam. Attends, même ceux-là, à mon avis, ils doivent pas faire longtemps. Même ceux-là, ils doivent pas faire long feu, je pense. Allez, vas-y, viens. Ah, il bataille quand même, hein. Il bataille, hein. Ouais, ouais. Il bataille, mais... Ah, il bataille. Il bataille, mais je vais l'avoir. Il bataille, mais je vais l'avoir. Regardez comment il fuit, ce lâche. Tu fuis, hein. Tu veux fuir face à la puissance du silure des mers. Oh, putain, mon vieux, tout ce que j'ai bouffé. Wow. Oh, bah alors là... Là, j'ai tout bouffé. Miam, miam. Bon mulet, ça. Regardez ça, là, tout ce qu'on... Oh, putain. Level 4, direct. Là, je vais attaquer le gros. Je vais attaquer le gros là-bas. On va monter level 5 direct, je pense. Je pense que si on le bouffe, on monte au level 5 sans problème. Sans problème. Allez, vas-y, viens. Suffit juste que je le bouffe par l'arrière, comme ça. Oh là là. Regardez ça, comment que je le bouffe, mon vieux. Il comprend rien. Ah bah ça y est, c'est bon. Voilà, j'ai tout bouffé. Ah, on est même pas monté au level 5. Il y en a un autre là-bas, il est coincé. Il y en a un autre. T'es fait comme un rat, mon vieux. Voilà. Voilà. Ça c'est bon. Ça c'est du bon mulet, regardez ça. Vas-y, mange. Voilà, impeccable. Et bah level 5, on y est. C'est parfait tout ça. Et maintenant, moi je m'en fous, j'attaque plus que des gros comme ça. Voilà, dès que j'en croise un, je le nique. Ça m'intéresse plus, les piranhas, les petits brochets, là. C'est des amuse-gueules, ça. C'est bon pour l'apéro. Ça, c'est bon pour un bon petit plat. Voilà. Ça, c'est bon. Miam, miam. Et j'ai l'impression que depuis que je conduis le silure, il y a beaucoup plus de gros comme ça. Voyez? Avant, il y en avait un petit peu moins. Regardez, il se barre. Putain, comment qu'il s'est barré, mon vieux? Il m'a vu arriver. Il a sauté direct. Alors là, franchement, autant le dire tout de suite,
Avec ce poisson, je suis invincible. Bon, sur ce, les gens, on va se laisser là pour cette vidéo sur Feed and Grow. Et puis, la prochaine fois, je pense qu'on ira tester une nouvelle map. On m'a parlé dans les commentaires qu'il y avait des maps océan, peut-être avec des nouveaux poissons, des requins et tout. Je n'en dis pas plus. Ce sera pour la prochaine fois. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde, bye bye.